Nos acteurs camerounais. Parfois, on respecte certains acteurs parce qu'on se dit sont les grands acteurs. Mais quand on écoute certaines choses, c'est regrettable. Hein? Les amis, écoutez un peu ce que celle-ci raconte là et je vous prends après. Coucou mes belles sims, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup vont se demander pourquoi je suis dans cet état, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en larmes. Mais c'est parce que je dois m'adresser à cet homme-ci là. Cet homme, Hervé, j'aimerais savoir. Dis-moi un peu. Depuis que je suis sur les réseaux, tu m'as déjà affiché. Tu m'as déjà vu parler de toi. Tu m'as déjà vu venir me plaindre cela. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Tu ne me respectes pas, tu ne me valorises pas. Malgré que je suis toujours dans mon calme, je ne parle pas. Devant tes amis, je suis une inconnue. Devant tout le monde, tu ne me donnes pas ma valeur. Pourtant, moi, je fais l'effort, je fais le maximum. Pour que tu sois bien ensemble, mais toi, je ne sais pas ce que tu veux. Tu ne me veux toujours pas derrière, mais devant les gens, ce n'est pas ça. Je suis fatiguée de vivre cette relation. Je t'ai toujours dit, je suis fatiguée. Avec. Je veux qu'on arrête parce que c'est inadmissible que tu ne peux pas me donner la balle, tu ne dois pas me respecter. Tu dois toujours mal me parler devant les gens. Mais quand nous sommes ensemble, tu veux toujours de moi. Pourquoi? Dis-moi un peu. Je suis sûrement folle. Ou bien justement stupide de t'aimer. C'était une erreur, Hervé. Moi, je suis fatiguée de tout ça. Si je parle ici, c'est parce que je mets un thème en ça. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. Je ne veux plus. Parce qu'il me dit que je suis un homme qui ne me respecte pas. Dis-moi ce que tu as fait. Il veut savoir. Dis-moi un peu. Parce que toi-même, tu sais. Je n'ai pas souvent l'habitude de me plaindre comme ça. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu dois voir cette vidéo. Que tu dois arrêter de m'accepter. Tu arrêtes ça. Si tu ne veux pas de moi, si tu ne me respectes pas, tu me laisses tranquille. C'est comment? Dis-moi un peu. C'est un péché de t'aimer. C'est un péché. Je ne veux plus. S'il te plaît, faut m'arrêter ça. Tes amis même t'ont parlé à plusieurs reprises. Tu as dit que tu allais changer. Tu allais commencer à m'afficher. Tu allais commencer à me respecter. Mais depuis là, moi, je ne vois rien. Rien de tout ça. Rien. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu veux encore d'autre? Ce n'est pas seulement mon corps. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas dormir laisser dans mon coin toute seule? Tu es tranquille. Tu n'as rien demandé. Tu viens toujours. Tu me dis que tu vas changer. Mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas aider. Moi, il dit, je ne veux plus. Je ne veux plus de cette relation. Je veux que tout s'arrête. Tout s'arrête. Je sais que quand tu vas voir la vidéo, si tu vas te fâcher, tu vas faire des sales problèmes. Mais oui. Pour moi, c'était la solution. De parler devant tout le monde. De parler pour que tu dois voir ça comme ça. Que j'ai vraiment mal. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux plus rien. Comment, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus rien. Vraiment, les filles, vraiment, quand il dit souvent du respect, quand il a commencé ma vidéo en parlant du respect, bref, je voudrais d'abord qu'on regarde cette vidéo sur deux angles. Premièrement, ça peut être un buzz qui se rappelle de l'histoire de Priska Ling avec Steve Fa. Je suis ton ex, tu peux pas m'abandonner pour aller prendre une autre. Les gens ont cru que c'était vrai. Donc, ça peut être un truc que la fille a supplié, Eve, que non, je vais un peu faire un truc pour le buzz pour avoir un peu de visibilité. Ça, c'est d'abord comme ça que moi, je vois sur un autre angle. Maintenant, si ça arrive que c'est vrai, que ce n'est pas le buzz pour avoir, pour être connu, pour avoir aussi un peu de visibilité, si c'est vrai, Hervé Ngouet, la question que je vais te poser, c'est de savoir, gars, quand vous voyez la télé, quand vous voyez toujours chaud, chaud comme ça, donc c'est votre style comme ça, là. Vous partez prendre les têtes percées. Ce n'est pas de l'insulte. J'ai beaucoup de respect si c'est vraiment une déception. Mais de quelle manière une fille, franchement, qui réfléchit, exprime sa déception? Je ne veux plus de toi. Et si tu ne veux plus d'un homme, donc c'est sur Facebook. Vous avez rencontré sur Facebook. On était au courant depuis vos 3 ans de relation, on était au courant. Donc maintenant, quand ça... Vous venez maintenant, tu viens maintenant pleurer sur les réseaux. Et il ne veut plus de ses raisons. Donc pour dire à un homme que
Je n'ai plus besoin de toi. Il faut juste faire, il faut faire une vidéo mettre sur Facebook pour qu'il confirme que non, la relation est terminée. Et avec quoi, tu as même fait comment pour rencontrer le genre-ci? Ou fait même comment pour vous coucher même sur un lit avec le genre-ci? Elle prend plus de 3 minutes. En réalité, je n'ai rien compris. Elle se plaint de quoi concrètement? Tu ne m'affiches pas. C'était quoi le contrat? Le contrat était quoi? Avec quoi, toi, tu vois où tu viens. Tu vois comment tu te rabaisse, non? C'est quelle bassesse ça? Elle a 15 ans, maman. Ou bien elle a 12 ans. C'est quel réflexe, c'est quelle façon même de réagir ça? Hein? En tout cas, moi, je considère que c'est le buzz. Oui. Parce que si c'est la réalité, là, vraiment, frère, c'est que tu es descendu trop bas. Trop bas. Parce que j'ai regardé toute la vidéo, elle se plaint de quoi concrètement? Elle se plaint de quoi? Les amis, dites-moi un peu en commentaire, elle se plaint de quoi? Elle veut quoi, t'as fait quoi? En tout cas, on dit souvent c'est la banane qui avait accepté, ou c'est la patate qui avait accepté quand on la mange crue. Vraiment, type, ton cal est laid. C'est même très souillant. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier. Avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesasi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.